tout cas, moi je ne m'ennuierai pas et je saurais bien en profiter. Vous savez profiter de votre beauté? Mais la beauté, ça ne se garde pas pour soi, ça se donne aux autres. Et si je ne vous avais pas rencontré? De toute façon, ça ne change rien, vous avez failli m'écraser, c'est tout. C'est plus important que vous le pensez. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments exceptionnels où la moindre rencontre peut être interprétée comme un signe du destin. Quel signe? Quel destin? Écoutez, il fait beau ce matin. Prenons la voiture et allons n'importe où. Dans un endroit où il n'y a personne. Ou bien, allons à Orly. Vous connaissez la voix caressante des hôtesses de l'air. Nous prendrons le premier départ annoncé. Vous n'avez jamais eu envie de partir comme ça, au hasard, pour aller n'importe où, avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Ce qui est terrible, c'est que plus les hommes se connaissent, plus ils ont envie de se fuir. L'amour, par exemple, ça meurt pour ça. Parce qu'il n'y a plus de mystère. Mais ce fameux mystère, est-ce qu'on peut le conserver? Si je vous suivais, par exemple, dans une semaine, dans un mois, vous ne seriez plus l'homme mystérieux de maintenant. Je ne serais plus une femme inconnue. Avez-vous déjà vu une course de taureaux? C'est apparemment toujours le même taureau, le même toréador, mais il y en a un des deux qui meurt. Et finalement, c'est toujours le même jeu qui recommence, mais avec des partenaires toujours nouveaux et toujours semblables. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. C'est difficile à expliquer. Mais quand un homme et une femme se rencontrent, par exemple, depuis le début du monde, c'est toujours le même jeu. Mais il n'y en a pas forcément un qui doit mourir. Vous avez peur de la mort? Bien sûr, comme tout le monde. Et vous aimez la vie? Et vous aimez le mystère? Alors suivez-moi. Nous serons plus forts que la mort. Je suis n'importe qui, je fais n'importe quoi, et je vais n'importe où. C'est très séduisant. Vous êtes très séduisant. Mais vraiment, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Bon, mais je vais être très franc avec vous. Si je vous ai parlé de la mort, c'est que j'y pense depuis longtemps. Et ce matin, j'ai décidé de mourir. Et je vous ai rencontré. En fait, vous êtes ma première, dernière chance. Je croyais que je m'intéressais plus à rien. Et j'ai vu votre sourire tout à l'heure. Je ne fais pas de chantage. Et si vous voulez partir avec moi, pour une aventure dont je ne puis rien vous dire, tout est possible. Alors, vous acceptez? Dites oui. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si tout est possible. Écoutez, je compte jusqu'à 10. Répondez-moi oui. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. Comme c'est dommage. Non, monsieur, monsieur! Non, mais vous êtes fou! Non, monsieur! Monsieur! Vous êtes fou! Vous êtes...